Bom dia, gente! Bom dia, pessoal! J'espère que vous allez bien, mais... Excusez-moi, on a une nouvelle caméra, en fait. On a une nouvelle caméra. Bref. Mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle wig install. Si vous me suivez sur Snap, Insta et TikTok, vous avez vu que je suis en mode curlière en ce moment. Et aujourd'hui, on va se poser une petite wig curly avec West Kiss Air. Je ne l'ai pas encore déballé, on va faire ça ensemble. Les filles, on est sur une glueless wig, très important maintenant. Les mèches, c'est des curly wave, 24 pouces, avec une lace HD 4x7. C'est les wigs qu'il vous faut pour l'été. Moi-même, je suis passée en mode curly. Là, j'ai mon petit tissage curly. L'heure est tout bouclée. Glueless wig, ça veut dire que vous pouvez coller ou non la pépé. Vous la posez sur votre tête, vous partez si vous n'avez pas envie de la coller. Vous avez les pinces à l'intérieur, très important, avec l'élastique. C'est ça qui fait que votre perruque, elle ne va pas bouger une fois que vous la mettez sur la tête. On passe à l'installation. Fond de teint. Un pinceau. Et je vais colorer la tulle. La tulle est colorée. Je serre un petit peu l'élastique quand même. Bien évidemment, on va styliser, mais regardez comme la perruque est déjà pré-customisée. Donc, les glueless en général, c'est des wigs qui vont pas jusqu'au bout et c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de les coller. Nous, on est des professionnels, on n'est pas débutants. On connaît la technique, on sort un petit peu nos cheveux, un petit peu de baby hair et on fera passer ça pour un tissage. 5 minutes suffiront à styliser cette wig, soit vous mouillez, soit vous êtes dans un truc fluffy afro. Moi vous me connaissez, normalement je suis une go du volume mais là j'ai envie de faire un wet look, un truc vraiment effet mouillé. Et ce que vous pouvez faire si... comment on appelle ça? Ah, le blowout? Blowout, je crois. Twist out. Vous pouvez faire un twist out. Vous faites des vanilles, vous vous réveillez, vous enlevez et ça vous fait une coupe canon. C'est des curly hair qui se rapprochent beaucoup de la texture afro. C'est grave beau comme ça. Alors, je vais faire les baby hair. Très simple. Et en fait, je vais couvrir mes vrais baby hair avec les baby hair de la wig. Et ça me fait un effet super naturel. Tout le monde ne peut pas faire ça, ça dépend de votre implantation capillaire. Je vais les plaquer à la got to be parce que c'est ce qui tient le mieux. On fait pareil de l'autre côté. C'est vraiment beau. J'aime trop. Je vais faire le look bien afro, vite fait, et après je vous montre ce que ça donne en wet look. C'est tellement vite fait que je peux me permettre de vous montrer les deux en fait. C'est archi canon comme ça. Vous pouvez même faire des petites coupes comme ça et tout. Non, canon. Là, vous attachez avec les cheveux sortis, vous pouvez grave faire cette coupe. Franchement, c'est magnifique. Maintenant, on va passer au look cheveux mouillés. On va prendre un spray d'eau, on va mouiller, ça va être très simple. C'est vraiment canon. Allez, là, j'ai de l'eau, on mouille. J'adore. Mais en fait, j'ai même pas fait un look tout plat. Genre là, j'ai humidifié léger, c'est pas super mouillé, donc ça pourrait être plus plat et vraiment plus wet
effet wet wavy que ça. Mais juste comme ça, j'aime trop. C'est une glueless. Ce n'est pas collé. J'aime trop. Je suis en pétard. Là, je suis en pétard. Je suis en pétard. Je suis en pétard. Je suis trop. C'est une pépite. Cette pépite que vous pouvez porter en mode afro fluffy ou mouillé ou un peu attaché ou reste sur le côté, collé ou pas collé, vient de chez West Kiss Air. Je vais vous mettre le lien direct dans la description. Franchement, elle est canon. J'ai rien à dire, j'ai absolument rien à dire. Elle est super facile à poser, à coiffer. La wig de l'été, clairement. Et comme je vous aime d'amour, que je suis trop sympa, que je veux que vous soyez au top cet été, je vous la fais en cadeau. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Pour le concours, ça se passe sur Instagram. Sois sûr que tu me follow. Tu m'envoies la capture d'écran de ton commentaire sous cette vidéo. Et c'est parti. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette pose, de cette wig. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux, Snap, TikTok, Insta. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous d'amour.